voulons bénir le Seigneur qui nous permet à ce matin de nous mettre ensemble pour pouvoir élever son nom. Notre Dieu est bon, notre Dieu est fidèle, notre Dieu ne change pas. Je veux dire merci à Dieu pour tous mes frères adorateurs, chauffeurs de taxi et aussi toutes celles qui vendent, tous ceux qui se sont levés très très tôt ce matin, depuis 4h30, qui essaient de préparer pour aller vendre au marché. Mais dis merci au Seigneur pour toutes vos vies. Lui dit merci pour tous nos frères des autres confessions qui nous rejoignent tous les matins. La nouvelle, elle est bonne. Et nous voulons bénir le Seigneur pour cette nouvelle. Nous nous préparons à aller à un Dieu que nous tous nous connaissons, mais nous voulons d'abord élever le nom du Seigneur parce qu'il est le seul, le véritable Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Allons, disons au Seigneur ce matin, c'est toi notre Dieu, c'est toi que nous aimons. Notre cœur veut se tourner vers toi. Notre esprit veut se tourner vers toi pour te dire que tu es tout pour nous. Est-ce que vous pouvez aussi élever la voix avec nous? Nous voulons t'adorer, Seigneur notre Dieu. T'adorer. Je veux t'exprimer le désir de mon cœur, celui de t'appartenir. Je veux t'exprimer le désir de mon âme, celui de demeurer dans ta présence. Dis ensemble, je veux t'exprimer le désir. Je veux t'exprimer le désir de mon cœur, celui de t'appartenir. Le désir de mon cœur. Je veux t'exprimer le désir de mon cœur, celui de t'appartenir. Le désir de mon âme. Je veux t'exprimer le désir de mon âme, celui de t'appartenir. Alors, la nouvelle, elle est bonne, hein? Elle est tirée du livre du prophète Isaïe au chapitre 30, à partir du verset 15. Que le Seigneur veut nous inviter, nous qui sommes dans sa présence tous les matins, à découvrir quelque chose de bon au travers de cette parole. La parole déclare, au travers du prophète Isaïe, voici ce que déclare le Seigneur Dieu, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Vous ne serez sauvés qu'en revenant à moi et en restant paisible. Vous ne serez sauvés qu'en revenant à moi et en restant paisible. Votre seule force, c'est de garder votre calme et de me faire confiance. Mais vous ne le voulez pas. Le Seigneur nous dit que pour nous tous qui nous sommes connectés, il nous dit que si nous voulons être sauvés de toute situation, peut-être même de la tristesse, de l'angoisse, de l'échec, de beaucoup de choses, il faut que chacun revienne à lui. Or, bien souvent, nous nous tournons d'abord vers les humains avant de nous tourner vers le Seigneur. Mais le Seigneur nous dit, revenez à moi, la première des choses. La deuxième des choses, il dit, lorsque nous revenons à lui, nous devons rester calmes. Et la troisième, c'est de lui faire confiance. Alors, vu que nous nous connaissons, chacun se connaît, nous aimons tous le Seigneur. Mais par moments, quand il y a des situations,
nous ne revenons pas à lui. Nous ne le cherchons pas. Alors demandons au Seigneur de nous attirer dans sa présence. Mais avant cela, nous allons lui dire que cette parole que nous attendons, nous sommes sûrs de cette parole. Et que si par la présence de son esprit nous donne la force, nous pourrons revenir à lui. Alors nous allons tous écouter et prier, commencer à lever la voix pour dire: Seigneur, je suis sûr de ta parole. Oh, oh. Je suis sûr de sa parole. Elle libère, elle guérit, elle restaure, elle apaise les cœurs. Je suis sûr de sa parole. Je suis sûr de sa parole. Sa parole relève, elle m'a donné la vie. Je suis sûr de sa parole. 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 Oui, je suis sûr de ta parole. Elle libère. Elle est une lampe sous mes pas, une lumière sur mon sentier. Elle me guide chaque jour sur le chemin de vérité. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Alors, elle est une lampe sous mes pas, une lumière sous mon sentier. Elle me guide chaque jour sur le chemin de vérité. Je la dans mon cœur, afin d'être près de Dieu. Sa parole m'a restauré, elle m'a redonné la vie. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon espoir dans le Seigneur. Ta parole, quand elle vient à moi, c'est pour me faire du bien. Je suis sûr. Et en ce matin, je veux ouvrir mon cœur à cette parole, ô Seigneur. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Mon espoir dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Ta parole libère. Mon frère, ma soeur, le Seigneur nous dit que si nous voulons être sauvés, nous devons revenir à lui. Si nous voulons surmonter cette situation, nous devons revenir à lui. Si nous voulons qu'il soit au cœur de notre journée, nous devons revenir à lui. Nous devons revenir à lui. Alors, vu que chacun se connaît, que chacun sait ce qu'il vit, demandons au Seigneur de nous attirer à lui. Parce que les situations de la vie, les circonstances de la vie peuvent nous éloigner de lui. La colère peut nous éloigner de lui. Ce que nous entendons dire de nous, même dans notre groupe de prière, ou dans notre fraternité, même ou dans notre communauté ou à l'église, hein, peut nous
nous éloigner du Seigneur. Nous pouvons dire, Seigneur, je ne vais plus dans ta présence à cause d'un tel, à cause d'une telle. Mais ce matin, avant de vaquer à nos occupations, demandons au Seigneur de nous donner la force de revenir à lui. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Et restaurer notre amitié. Seigneur, tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Seigneur, sans toi, oh, je t'en supplie. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi, mon Dieu. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Dieu Seigneur, je veux revenir ce matin à toi de tout mon cœur. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre, Seigneur, c'est vrai. De toi me vient ma joie, mon bonheur. Garde-moi. Alors on va chanter ensemble, on va dire au Seigneur, attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Dieu Seigneur, ne me laisse pas, je t'en supplie. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner, Seigneur. Je veux tout abandonner. Et restaurer notre amitié, Père. Et restaurer notre amitié. Disons encore, attire-moi à toi ce matin. Attire-moi à toi. Oh Seigneur, ne me laisse pas. Non, je t'en supplie. Je veux tout abandonner, restaurer et restaurer notre amitié. Dieu Seigneur, tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer, Seigneur. Dans tes bras, je suis rassuré, oh mon Dieu. Dans tes bras, je suis rassuré.
moi la voie. Montre-moi la voie. Seigneur, garde-nous près de toi. Garde nos cœurs attachés à toi. Garde-nous près de toi. Les situations, Seigneur, souvent nous éloignent de toi. Les difficultés, les incompréhensions. Je veux dire à quelqu'un, je veux dire à un adorateur, ne quitte pas la présence de Dieu parce que quelqu'un ou parce que tu as entendu que les gens ont médit sur toi. Ne sois pas aussi. C'est-à-dire, même si tu es choqué de l'attitude de la personne, mais que cela ne te pousse pas à quitter la présence de Dieu. À te dire non, je ne vais plus prier. Non, je ne vais plus dans ce groupe. Non, je ne vais plus à l'église parce que les gens sont méchants. Non. Le Seigneur dit que nous ne serons sauvés que seulement si nous revenons à lui. Seuls, nous ne pouvons pas supporter les situations que nous traversons. Ce matin, nous voulons nous abandonner entre tes mains. Nous ne voulons pas être dépressifs. Nous ne voulons pas être dépressifs. Que chacun s'abandonne en ce matin là où tu vas. Que ce soit des difficultés que tu traverses au travail, qui te font croire que Dieu n'existe pas, c'est faux, il existe. Il est fidèle, il prend soin de ses enfants. Alors abandonne-toi ton Dieu. Abandonne-toi à lui. Dis, Père, je m'abandonne à toi en ce matin. Je m'abandonne à toi. Accueille ce que je vis. Prends-les. Parce que lui-même l'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés ce matin. Nous voulons décharger tout entre ses mains. Pour rester fidèle à notre Dieu. Oh. Abandonne-toi au Seigneur. Moi je m'abandonne à toi. Oh Jésus. Je m'en remets à toi. Je ne désire rien que d'être entre tes mains, que d'être auprès de toi. Je m'abandonne, on chante ensemble. Je m'abandonne à toi. Je m'en remets à toi, ô roi des rois, toi qui sais tout de moi. Je ne désire rien que d'être entre tes mains, que d'être
d'auprès de toi. Je m'abandonne à toi, toi qui me connais. Je m'en remets à toi, toi qui sais tout de moi. Je ne désire rien ce matin que t'aies entre tes mains, que t'aies auprès de toi. Accueille mes souffrances, Jésus. Accueille mes malchances, Jésus. Et ce désir immense de vie en transparence, désormais près de toi. Je veux vivre en transparence, désormais près de toi. Je veux pouvoir dire que tout va bien. Je veux pouvoir le proclamer parce que tu es avec moi. Seigneur, je bénis ton nom. Est-ce qu'un adorateur peut lever la voix, dire merci au Seigneur? Merci de prendre tout ce qui nous peine, qui nous empêche de nous élever vers toi. Merci d'être avec nous, parce que toi, même quand nous nous éloignons, tu te fais proche de nous, parce que tu remplis l'univers, tu es partout. Même que nous nous éloignons, tu es là. Alors ce matin, je veux te dire merci. À ta pause, médite Ésaïe 30 à partir du verset 15. Le Seigneur dit: si vous voulez être sauvé, revenez à moi. Revenez à moi. En restant paisible. Pas en criant, je vais mourir, non. Allons ce jour, à ta pause, je t'en supplie, médite, prends ta Bible, ouvre-la. Et prends Ésaïe 30 et médite le verset 15. Et avec la grâce du Seigneur, s'il le veut, nous nous retrouverons. Que Dieu te bénisse, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Tu es bon, tu es bon pour moi, tu es